Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, David a passé avec vous, comme tous les lundis, de 23h. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous ne dormez pas encore. Et on va consacrer cette nuit, je ne sais pas à quoi. De quoi on va parler, on ne sait pas. Mais comme vous savez, la radio, notre radio, ici maintenant, il vous donne la parole. Vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse, mais vous étiez 3, 4, 5 personnes depuis un mois en me demandant de parler sur la laïcité. La laïcité, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup actuellement depuis quelques années en France, sur la laïcité. Le sujet, ça peut être très intéressant, pourquoi pas. Alors, connaissons-nous bien la laïcité? C'est quoi la laïcité? Pour la plupart des gens, ils considèrent être laïque et la laïcité comme une religion. Pour la plupart des gens, non, on ne croit pas à ça. Mais juste au départ de notre émission, puisqu'on peut commencer ce débat, cette expression et écouter vos avis, je veux vous dire quelque chose. Grâce à cette radio, il y a déjà... on peut dire 10-15 ans, quand on a parlé de la laïcité, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de la laïcité. C'est-à-dire, c'est vrai que le mot s'était lancé plutôt depuis, on peut dire, 1996, 97, même pas à l'époque, on ne parlait pas de la laïcité, on parlait sur certains éléments républicains, loi 1905, des choses comme ça. Mais nous, on a commencé à parler de la laïcité depuis 1985. Dans mes émissions, on parlait de la laïcité. Et surtout, moi, je disais, je suis laïque, mais je crois à grande architecture de l'univers. Il y a un architecte de l'univers, un cerveau, un organisateur. Cet organisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de gérer le cosmos, l'univers. Alors, ça, j'ai aperçu après des années que c'était lancé comme nouvelle laïcité française. C'est-à-dire, avant d'en parler de la laïcité, la plupart des fois, on pensait qu'on est agnostique, on est athée, mais la laïcité était tout à fait différente de ces deux éléments. Et nous, ici et maintenant, David Abassi, on a lancé, moi j'ai dit, moi je suis laïque. Je suis laïque, mais je crois en Dieu. Alors le Dieu, je viens de vous dire, on peut le nommer ce qu'on veut. C'est-à-dire, le Dieu, pour chaque individu, pour chaque philosophie, a des synonymes. Mais moi, j'ai pensé à le cerveau qui dirige l'univers. Comme vous savez, comme vous pouvez constater, il y a l'ordre dans le monde. Dans le cosmos, il y a l'ordre. Cet ordre qu'il y en a, c'est quoi? C'est le soleil, la lune, le fonctionnement des saisons, les quatre saisons. C'est vrai que géographiquement, peut-être, les quatre saisons ne collent pas exactement comme ça colle ici en France, ou soi-disant à Alaska. Mais de toute façon, ça existe. Il y a l'ordre universel.
cette heure universelle, moi, celui, enfin, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'individu, le Dieu n'est pas une personne, n'est pas un roi assis dans le ciel, soi-disant en train de gérer le monde, gérer le cosmos. Mais moi, j'ai pensé de dire, voilà, comme une partie des gens, vous savez, il dit, grand architecte de l'univers, voilà, on peut dire le grand cerveau organisateur de cosmos. Alors, être laïque, être croyant, pas croyant, c'est-à-dire non-religion. Non. Religion, non. Mais le Dieu vit. Et ça, j'ai pu constater que dans certains rapports présidentiels aussi a été entré, que je ne veux pas parler de ça, c'est-à-dire cette radio, je me rappelle depuis toujours, c'était écouté par l'élite de notre pays, de la France. Et quand j'étais dans certaines réunions, je voyais radio ici maintenant, c'est un radio qui est bien écouté. Par exemple, avant-hier, samedi, quand j'étais avec vous, on a eu Gilles avec nous. Gilles était un témoin. Qu'est-ce qu'il a dit, Gilles ? Il a dit qu'il avait une maladie, il voulait aller à l'hôpital, faire une opération, et il a déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quand, il a dit. Il écoutait Radio ici maintenant, il tombe sur un médecin, et il prend l'avis de ce médecin, et il ne va pas aller à l'hôpital, et il est guéri, et il est bien sans passer à l'opération. Et moi, je connaissais pendant toutes ces années, depuis 35 ans que je suis là, je pensais et je voyais que cette radio, comment elle pouvait aider certaines personnes. Vous-même, vous avez témoigné sur cette antenne comme quoi vous voulez donner fin à votre vie, mais grâce à cette radio, vous avez avoir l'espoir de rester. Alors maintenant aussi, je vais vous dire, nouvelle laïcité qui est entrée dans le dictionnaire de la France, je n'ai pas vérifié, mais puisque je vois quelqu'un homme, quelques 4-5 hommes politiques, ils ont déjà parlé de ça, nouvelle laïcité, c'est-à-dire une laïcité tout à fait différent avec ce qui existait à la veille de la Révolution française, est entrée en jeu, cette laïcité, nouvelle laïcité, c'est-à-dire on croit en Dieu, mais on est laïque. Séparation de pouvoir politique avec les religions. Séparation de pouvoir politique avec les temples, avec l'église, avec le mosquée, avec le kenissat. C'est-à-dire, en même temps, la laïcité, il sauvegarde, il protège la totalité des religions et des philosophies et des pensées qui peuvent exister dans la République. C'est-à-dire, vous êtes protégé si vous êtes croyant, mais cette protection est dans votre temple, dans votre foyer, dans votre cœur. Mais la société est civile, la société, la République est laïque. Allez, voilà, je viens de lancer cette idée. Vous pouvez commencer à nous appeler dès maintenant, tout de suite. 08 92 23 95 20. Laïcité ou la religion, que pensez-vous? Quel est le synonyme de la laïcité pour vous? Et à quoi ça sert la religion pour vous? Alors, vous croyez aussi, comme moi, à une laïcité, nouvelle laïcité, c'est-à-dire un laïque, mais on croit en Dieu.
Voilà, je viens de lancer l'idée de... J'en parle sur la laïcité et la religion, bien sûr. Mais si vous, vous avez envie de parler de, d'autres choses, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous appeler. On va partager ce que nous savons, ce que nous aimons ou ce que nous ne pas. Mais la laïcité est le respect de tous les individus et de tous les pensées dans une société civile, rationnelle, où aucune religion et aucun dogme métaphysique ne peuvent intervenir dans la législation républicaine. Ça, c'était le slogan que je mettais depuis 38 ans en haut de mon journal. C'était mon expression de la laïcité. Mais il y a aussi la laïcité dans la République, la laïcité dans la Constitution française. Voilà. Et il y a la laïcité selon chaque individu, comme le Dieu. Le Dieu, vous savez, l'image de Dieu n'est pas égale, n'est pas pareille chez tout le monde. Chaque personne, il a une imagination spéciale de Dieu. Moi, je pense que même la laïcité, c'est comme ça. Mais de toute façon, ce qui est le principe de la laïcité, c'est la séparation de pouvoir politique avec le pouvoir religieux. Vous, que pensez-vous ? On est là pour vous écouter. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. La laïcité ne consiste pas à combattre les religions, mais à empêcher leur influence dans l'exercice du pouvoir politique et administratif. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous savez, quand est-ce que pour la première fois la laïcité est entrée dans la législation des constitutions françaises, vous le savez ou non?
on va prendre tout de suite Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonsoir Monsieur Abbassi, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et aussi un grand respect pour vous, Monsieur Abbassi, que l'on nomme souvent à la radio A de B, A et C. Bon, nous aimons tous vos interventions qui sont scientifiques et intéressantes d'un point de vue culturel. Concernant ce soir sur la laïcité et les religions, il est certain que on peut en parler des heures et des heures, ce que je ne ferai pas n'ayant pas la culture nécessaire. Néanmoins, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, parler une seconde d'une chose déjà, d'une façon générale, c'est que les religions, on croit en Dieu ou pas en fonction, disons, du lieu de notre naissance. Car on peut naître à Alger, on peut naître aussi dans la région, disons, en France, on peut naître aussi aux États-Unis, n'importe où. Et naturellement, nous sommes, disons, élevés dans des traditions, disons, des parents et des écoles, et naturellement, on peut être plus ou moins influencé par les religions. Bon, ceci dit, je reviens à une ancienne question de M. Didier de Plège, car depuis, ça a quand même un petit peu évolué. La question de M. Didier de Plège était celle-ci. Pourquoi, concernant dans le cosmos, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Alors, naturellement, nous avons tous un petit peu beaucoup réfléchi là-dessus. Pourquoi y a-t-il quelque chose, c'est-à-dire notre univers plutôt que rien ? Alors, d'après ce que j'ai lu, de constater depuis quelques années, ça fait 2-3 ans que M. Didier de Plège avait posé cette question. En fin de compte, la question devrait être formulée d'une manière différente. Car d'après les derniers travaux de M. Hafking, Stephen Hafking, et puis d'autres, concernant ce qu'a constaté Hubble, et puis au Chili, là, les télescopes, la question devrait être renouvelée, enfin, disons, modifiée, je crois, de la façon suivante, pour M. Didier de Plège, c'est-à-dire, pourquoi y a-t-il quelque chose et rien simultanément ? Car, d'après les scientifiques et M. Hawking, le rien existe, c'est-à-dire qu'il existe simultanément avec nous, avec notre position, disons, avec notre positif de notre univers. Donc, dans le rien, il y a des particules, il y a des énergies, il y a quelque chose qui simultanément avec nous. Alors donc, c'était simplement pour que M. Didier de Plège puisse dire maintenant pourquoi. Alors seulement, ça ne répond pas à la question pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose avec rien simultanément ? Bon, alors je suis un peu d'accord avec vous, enfin je suis d'accord avec vous concernant le début de notre univers. Il y a vraisemblablement, disons, un grand organisateur, mais je ne le vois pas en Dieu spécialement, je le vois en une sorte d'ordinateur. Alors le mot n'existe pas, hein. Alors je vais dire ordinateur, mais le mot n'existe pas. Et nous sommes confrontés nous voyons que 5% de notre univers actuellement, nous sommes, disons, poussés par, enfin, nous sommes dans un amas local de plusieurs galaxies, de centaines de galaxies, nous sommes attirés par le grand attracteur. Donc tout ceci est quand même fort intéressant et on est quand même au début de nos recherches, je pense. Et je suis aussi intéressé les travaux qui sont à Genève sur l'accélérateur de particules, car en fin de compte, je me doute, c'est une intuition, qu'on aura beau faire des collisions de particules à 300 000 km à la seconde, on va naturellement découvrir d'autres particules, mais je pense que c'est
On aurait beau développer, disons, ces accélérateurs, en faire des plus puissants, je pense qu'on va toujours découvrir de nouvelles particules. Alors, pour en revenir, si je vous dérange pas, pour en revenir à la religion, il y a une chose qui me préoccupe, enfin, je reviens sur Terre, hein. Il y a une chose qui me préoccupe, c'est que longtemps, j'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament, et il y a une chose que je n'ai pas résolue, c'est la transfiguration, donc dans le Nouveau Testament. Alors, naturellement, il y a à peu près 10 lignes. Alors, 10 lignes pour un événement extraordinaire. Il ne faut pas oublier que la transfiguration, lorsque le Christ est monté dans sa montagne avec donc ses disciples, il s'est installé, il a discuté, il a dû monter vers les 2-3 heures d'après-midi, il a discuté avec Moïse et Élie pendant des heures, tellement longtemps, que, comment ça s'appelle, que les apôtres ont dit « Monseigneur, on va dresser des tentes pour que vous vous reposiez. » Alors, et là, le Christ a dit « Non, ne dites surtout pas ce qu'on a fait, ce que vous avez vu, mais nous allons redescendre donc dans la plaine, à la ville. » Alors, j'ai quand même cherché, parce qu'il y a quand même... Alors, je me suis dit « Mais Gérard, tu te rends compte, c'est... Élie, Moïse, le Christ, et en plus, Dieu paraît-il qui a parlé en disant « Voici mon fils bien-aimé ». Bon, ils ont parlé quand même pendant, allez, grosso modo, 8 heures, grosso modo. Et je me dis, comment se fait-il que dans le Nouveau Testament, on en parle très très peu, donc il n'y a à peu près que 10 lignes. Alors, j'ai appelé plusieurs fois les protestants. Ils m'ont dit « Gérard, c'est pas compliqué ». Il faut suivre la Bible à la virgule près et il ne faut pas chercher autre chose, c'est comme ça. Bon, alors comme ça, le gars Gérard, il est... Hein, faut... c'est comme ça. Alors ensuite, je suis retourné vers les religieux, les catholiques, et j'aurais demandé pourquoi donc c'était pas plus explicite. Ah, ils m'ont dit, Gérard, c'est pas compliqué, il faut avoir la foi. Alors ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas la foi. Alors je suis bien ennuyé parce que je crois au Christ, mais je n'ai pas et la Dame de Lumière, bien sûr, mais je n'ai pas la foi. Alors ça c'est quand même, ça m'ennuie. Alors, ne sachant pas sur qui me retourner, puisque personne ne me donnait de réponse, je suis allé à la Procure. C'est une librairie donc à Paris qui a donc beaucoup de livres pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas que des livres religieux. Et concernant les Bibles. Il y en a, j'ai demandé où étaient les Bibles, on m'a fait voir une salle entière, je dis bien, remplie de Bibles. Alors j'ai cherché, j'ai rien trouvé. En fin de compte, la transfiguration du Christ, c'est quelque chose qui est tellement important que les églises, comme sur n'importe quoi, de quelle religion, ça n'a aucune importance, n'en parlent pas. Et je me dis quand même... Puisqu'il y a une réunion à trois, entre Moïse, Élie et le Christ, qui a duré quand même toute une journée. Jusqu'au soir, il devait commencer à faire nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu discuter? Ils n'ont pas discuté chiffon. Donc ils ont dû discuter de l'avenir de l'humanité. Mais un avenir de plusieurs, peut-être centaines d'années. Un avenir de plusieurs milliers d'années. Peut-être un avenir beaucoup plus important. Alors... Moi, je suis bien ennuyé parce que, en fin de compte, il y a des décisions qui se prennent, des genres de réunions de importantes à très haut niveau, et puis en fin de compte, on n'est pas au courant. Alors, voilà, c'est un peu ce que je voulais exprimer et savoir si au moins les religieux peuvent apporter une moindre réponse et car je me suis beaucoup quand même posé la question, j'ai cherché chez les protestants, chez les catholiques, j'ai rien trouvé. Vous prenez, monsieur Abbassi, vous prenez le oui. Nouveau Testament, oui. Vous prenez la transfiguration, il y a 10 lignes, oui. Point barre. Voilà. Je voulais pas vous ennuyer avec mon discours. Non, mais mon cher Gérard, c'était très intéressant. C'est-à-dire, on va résumer, mon cher Gérard, à votre avis, alors la religion ne sert à rien. Oui. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ah oui, d'accord. Par contre, avec la laïcité, on peut découvrir des choses, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que l'homme a créé. C'est-à-dire, si l'homme, il restait dans la prison de n'importe quelle religion, oui. il ne pouvait pas être actif et créateur comme nous pouvons constater aujourd'hui, ici et maintenant, fin février 2017. Tellement de progrès depuis que l'histoire existe. L'homme a été créé, mais si la religion était toujours au pouvoir, les gens comme Galilée et les autres étaient tout de suite condamnés. On ne pouvait pas avancer. Bon, je constate que nous sommes tous des laïcs, pratiquement, avec des orientations, disons, religieuses. Bon, ça, c'est chacun y trouve son repos et son bonheur, et c'est peut-être bon. Mais nous sommes tous des laïcs, naturellement, individuellement, et peut-être après dans les communautés. Enfin, je ne parle pas de la France, hein, je parle du monde entier, des 7 milliards d'individus qui sont sur la Terre. Hein. Bon, nous naissons tous laïcs, et après, naturellement, nous sommes transformés par notre éducation, et puis tout le reste, quoi. La laïcité, c'est bien si c'est bien appliqué. Si nous sommes libres. Alors vous allez me dire, mais bon, d'un point de vue philosophique, il faut être libre penseur. Alors, on peut être libre penseur, mais pour la laïcité, on a le droit de se taire. Parce que si on parle de certaines choses qui vont déplaire, peut-être à des gens religieux ou pas, ou à la politique, alors c'est très difficile, en fin de compte. La laïcité, c'est bien, parce que chaque individu, chaque terrien a le droit de vivre et puis de penser. Mais bien souvent, nous sommes totalement manœuvrés, et on est obligé, étant laïque, de se taire. Ça m'ennuie, parce que nous n'avons pas encore, pour les 7 milliards d'habitants de cette planète, on n'a pas réussi encore à trouver notre liberté de penser, notre liberté tout court. Voilà. Excellent, mon cher Gérard. Je vous remercie beaucoup. Allez, je vous embrasse tous, et puis passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, Gérard. Bonne soirée. Voilà, c'était Gérard sur 95.2 FM. Également, vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler. Voilà la question de ce soir. Le sujet, c'est la laïcité et la religion. Vous savez, l'enseignement public et laïque a commencé en France, vous savez depuis quand ? Depuis 1882, c'est-à-dire environ 135 ans. Et ça fait 135 ans que l'enseignement public en France est laïque. Voilà. C'est-à-dire la laïcité réellement a commencé en France depuis 1882, il y a déjà 135 ans. Et bien sûr, c'est en 1905 que la loi du 9 décembre va codifier les principes de la laïcité en France. Voilà, là, elle confirme la liberté de conscience, c'est-à-dire toutes les religions sont libres, mais dans le cadre de la République laïque. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Bon, ben, bienvenue, Grille. Thank you.
Voilà, bonjour Léa, et comme vous savez, Léa, oui ou non, nous avons défendu une conception spirituelle de la laïcité sur cette antenne. David Abbassi a défendu ce concept depuis déjà 20-25 ans. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Léa? Bonjour. Ben, bonsoir. Ben, écoutez, d'abord, je suis laïque et non-croyante. Est-ce que j'ai le droit d'intervenir sur votre antenne? Ce soir, sur ce sujet. Bien sûr, c'est notre sujet de ce soir, Léa. Bon, Gérard, il vient de dire qu'on est tous laïcs, j'espère. Allez-y, on vous écoute, Léa. Oui, alors, vous avez... Enfin, c'est toujours très intéressant quand vous en parlez. Je suis contente de pouvoir un peu d'abord en parler peut-être avec vous, que vous donniez mon point de vue, mais votre réponse sera importante pour moi. Alors vous avez donné une définition tout à l'heure. Moi, je suis d'accord, mais j'ai surtout envie de dire que la laïcité, c'est ce qui permet la liberté de conscience de chaque individu. Donc, la liberté, d'abord, de croire ou de ne pas croire, et puis de croire ce qu'on veut. Mais... J'ai bien dit de l'individu. Parce que, bon, vous parliez à l'instant de la loi de 1905, finalement, qui n'a fait qu'une chose, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais... Alors, tout ce que je vous dis, moi, ça découle directement de mon expérience. Hein. Je vais être bien moins intéressante que Gérard. Oui. Parce que, moi, je pense que cette séparation et cette liberté-là, elles ne sont pas vraiment réalisées. Je parle de la France, hein, bien sûr. Elles ne le sont toujours pas. Et en tout cas, il faut toujours... Il faut toujours s'en préoccuper, même si la loi ne change pas encore. En fait, c'est toujours remis en question, ce droit de croire ou de ne pas croire. Parce que voilà, moi j'ai un problème oui. avec... ah oui, je voudrais dire d'abord que respecter... On t'a entendu Léa, et en plus, tu as déjà intervenu cet après-midi. Oui. Mais que fais-tu d'autre qu'à part écouter la radio et chercher n'importe quel prétexte pour intervenir à l'antenne? Bon, ben c'est d'accord. C'est un peu. Non, c'est vrai que c'est un peu gavant quand même. Mais Léa, tu crois que tu as le mot final? Non, pas du tout. Sur une chose qui est abordée par notre ami David Abbassi dans l'humeur. Oui, mais justement, ça m'intéresse beaucoup ce qu'il en dit, mais j'avais envie de discuter avec tout, lui. Tout intéresse et tout te passionne, mais enfin, non, faut, pas tout. Faut pas abuser. J'allais le dire. Tu te rends pas vraiment compte que ta présence intimide de nouveaux intervenants. Bon, très bien. Amusez-vous bien. Oui. Bonsoir, David, c'est dommage. Didier, il a raison, puisque vous savez, quand moi je n'étais pas là cet après-midi, je ne sais pas, Didier gère la radio, il est au courant de tout. Mais c'est vrai, vous savez, quand il y a une dizaine de personnes qui appellent tous les jours, tous les temps, peut-être les autres, après, dès qu'ils voient ça, ils n'ont plus envie d'appeler, ils vont dire voilà, c'est. C'est un petit club. Voilà. Ça réduit la radio à peu de choses. Voilà, puisque vous aimez votre radio, oui. Ça serait mieux de laisser, surtout encourager vos amis, les autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sais, et ils n'osent pas de nous appeler, vous voyez, voilà, et laisser cette occasion pour les autres aussi, mes chers amis. Thank you.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Parler de la laïcité aussi ou non ? Non. Je suis pas là pour parler de la laïcité, David. Je m'incruste dans ton émission pour clarifier un petit peu les propos que j'ai tenus là récemment avec une auditrice.